Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h, une édition qui consacre aussi une part à l'actualité à l'intérieur du pays. À la une de ce lundi, le président de l'RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue zambien ont procédé cet avant-midi à la pose de la première pierre des constructions du pont jeté sur la rivière Luapula, située entre l'RDC et la Zambie, qui aura une distance de 345 mètres de largeur. Ces travaux de construction vont durer 3 ans avec un coût global estimé à plus de 252 millions de dollars. Les images à suivre au début de ce journal. Également sommaire, montée des tensions dans l'est de l'RDC entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Accusé d'avoir attaqué une position du M23, le FRDC rejette toutes ces allégations portées contre elle par le mouvement du 23 mars au sujet de la reprise des hostilités en territoire des Massissi au Nord Kivu. Vous suivrez le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu dans ces journaux. Et enfin, cette ultime alerte, plus de 25 millions de personnes, soit un quart de la population de l'RDC, en proie à une insécurité alimentaire aiguë, chiffre communiqué par les cadres intégrés des clarifications de la sécurité alimentaire lors de son dernier rapport annuel. Ces rapports indiquent également que les hostilités dans l'est de la RDC sont la principale cause de cette famine. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale à Radio-Télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journaux, le président de l'RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue zambien ont procédé cet avant-midi à la pose de la première pierre des constructions du pont jeté sur la rivière Luapula, située entre l'RDC et la Zambie, qui aura une distance de 345 mètres de largeur. Ces travaux de construction vont durer 3 ans avec un coût global estimé à plus de 252 millions de dollars. Plus de précisions dans ces reportages. Excellences, Monsieur le Président de la République de Zambie. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, à l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction du pont reliant la République démocratique du Congo et la République sœur de Zambie. Leurs Excellences, avant toute chose, qu'il me soit permis, au nom de la population du Haut-Katanga et au mien propre, de vous souhaiter la bienvenue à Kasenga, l'un des 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Daignez bien trouver ici l'assurance de toute notre gratitude. Puisse ces jours mémorables être marqués d'un cachet indélébile. Des générations futures vous diront à tout jamais leur reconnaissance, car l'achèvement de l'ouvrage pour lequel vous allez poser la première pierre permettra non seulement de désenclaver la province et partant la République démocratique du Congo, mais aussi résoudra l'épineux problème des traversées des personnes et des biens. Car il permettra d'ici 2025 de drainer le trafic à destination et en provenance du port de Dar es Salaam et donc de toute l'Afrique de l'Est. Du coup, les provinces congolaises et zambiennes en tireront tous les profits nécessaires. Un autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, montée des tensions dans l'est de l'RDC entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Accusé d'avoir attaqué une position du M23, les FARDC rejettent toutes ces allégations portées contre elles par le mouvement du 23 mars. Au sujet de la reprise des hostilités en territoire des Massissi au Nord Kivu, l'armée congolaise s'est dit toujours respectueuse de différents accords de cessez-le-feu signés. On écoute le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Contrairement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise opérant sous le label du M23 qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées de la République démocratique du Congo restent et demeurent respectueuses du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Masisi et plus précisément aux environs de la localité de Kiloliwe ce dimanche 1er octobre
2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ces jours par les biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fait à Goma, le 1er octobre 2023. Le coup de marteau a de nouveau retenti à l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé. Le député provincial a repris le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances. La situation sécuritaire dans la province et l'examen du projet d'édit budgétaire parmi les matières prioritaires à traiter durant cette session de septembre 2023, la toute dernière de cette législature, session ouverte par le président de cette Assemblée provinciale. Regardons. Dans ce speech, le speaker ad interim et vice-président de l'organe délibérant du Haut-Touélé, honorable Jean-Faustin Tassile Akouman, a loué les sens élevés de la sagesse et maîtrise manifestée par les honorables députés provinciaux pour le bon fonctionnement de la chère province tout au long de cette mandature qui touche à sa fin. Vous avez été caractérisé par la sagesse exprimée dans la façon dont vous avez affronté et géré ces agitations tant sociales que politiques qui ont caractérisé cette législature. Est-ce là dans un seul but de promouvoir et de prioriser l'intérêt supérieur de notre population et celle de notre chère province? Jean-Faustin Tassile a exhorté aussi l'exécutif provincial à déposer dans le délai requis par la Constitution le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2024. J'estime que le gouvernement mettra tout en œuvre pour s'acquitter de ses devoirs constitutionnels et légaux au début de cette session, afin de permettre à l'organe délibérant d'examiner sereinement et sans complaisance le budget de la province pour l'exercice 2024. Le bras réel de la représentation provinciale doit être celui de bâtir notre province la plus belle qu'avant. C'est une première dans la ville de Mbandaka. Province de l'Équateur, la ville sera bientôt dotée d'une centrale solaire d'une capacité de 35 MW d'ici à 2025. Ce gigantesque projet qui touche aussi l'eau, l'Internet et les transports a été présenté au gouverneur et à la population par l'entreprise AIG qui exécute les travaux. Regardons. Cours d'un meeting de vulgarisation et d'échange populaire au parc d'attractions Joseph Kabila, que ce projet très ambitieux qui doit faire de la ville de Mbandaka une zone d'activité à énergie solaire d'ici 2025 a été présenté. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville, Yves Ballot, a exprimé sa joie. Avant un jeu de questions-réponses, Madame Kathleen Cook, directeur AEG RDC, a présenté ce projet qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui tient au développement du pays, notamment dans le secteur de l'énergie. Ce projet, a-t-elle dit, interviendra dans plusieurs domaines d'activité productive, en l'occurrence l'électricité, l'eau et l'Internet. AEG déployera aussi des solutions durables personnalisées de haute qualité qui va impacter sur la vie de la population. Devant les autorités politico-administratives, tant civiles que militaires, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Dr Taylor Nganzi, a salué le pragmatisme du gouverneur Boloko Bolumbu Bobo qui a inscrit ce projet dans le plan de développement de son gouvernement. À l'occasion de la présentation de ces projets ambitieux de construction de la centrale solaire à Mbandaka, je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a fait le désenclavement de notre pays et de l'électrification des différentes entités son cheval de bataille. Notons par ailleurs que ce projet s'étendra également dans le transport en commun avec la mise en œuvre de motos à 3 roues à base d'électricité.
La CENI et le CESAC, ces deux institutions d'appui à la démocratie, veulent remettre le train sur le rail. Tous les médias et France RDC sommet découvrir leurs activités en cette période électorale selon les normes et la déontologie sous peine de sanction. C'est l'une des déclarations faites au terme de travaux de trois jours axés sur l'élaboration du code des bons de conduite des journalistes congolais. Tétis Samba et Jéresto Fungé, nous en disons. Parmi les recommandations formulées au terme de cet atelier, les participants composés essentiellement des journalistes, des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, des membres des agents du ministère de la communication et du numérique ont pris un engagement, celui de couvrir dans les règles de l'art les élections à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Les participants se sont engagés également à sensibiliser les électeurs sur leur droit de vote, droit qui consiste à prendre part à tout le processus électoral conformément aux lois du pays. Le management de la CENI est fier de vous et la nation vous en sera reconnaissante. La CENI vous réitère ses félicitations pour votre participation à ce travail, car le rôle de journaliste n'est plus à démontrer, aussi bien pour la réussite que pour l'échec du processus électoral. Ainsi, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, je déclare clos l'atelier d'élaboration du code de bonne conduite des journalistes congolais en période électorale et du protocole d'accord entre la CENI et les CESAC relatif à la régulation de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Les travaux de ces assises se sont clôturés en toute beauté à la satisfaction des participants. La jeunesse congolaise déterminée à mouiller les maillots pour donner plus de voix au président de la République lors de la prochaine présidentielle. Déclaration faite par le coordonnateur de la structure Jeunesse Fatshi pour un second mandat. On l'écoute. Invité ce dimanche, on a constaté tous les jeunes de quatre coins de Kinshasa qui ont répondu présent à notre invitation pour que nous puissions montrer à la face de la classe politique congolaise qu'il y a un bébé qui a vu le jour. Évidemment, c'est Jeunesse Fatshi pour un second mandat. C'est une structure qui est appelée à accompagner le président de la République, parce que nous avons les élections en décembre, nous avons peaufiné des stratégies en vue de pouvoir donner la main de manière nécessaire au président de la République pour sa réélection en décembre 2023. Donc nous sommes unis, déterminés et que nous sommes disposés à donner la main à Félix Tshisekedi pour qu'il soit élu, réélu président de la République. Donc nous sommes évidemment convaincus qu'avec la force de la jeunesse qui représente plus de 90%, plus de 70% de la population, la jeunesse est une force et que nous allons démontrer en décembre que nous sommes évidemment une force d'accompagner le président de la République pour qu'il soit réélu président de la République. Donc nous sommes avec Félix Tshisekedi, les jeunes sont là pour lui donner la main. Tous les regards de membres de l'Union sacrée sont désormais tournés vers Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a été investi le week-end dernier comme candidat unique lors de la présidentielle de décembre prochain par cette plateforme. Une candidature applaudie des deux mains par tous les caciques de l'Union sacrée. On écoute quelques-uns. Premier congrès de l'Union sacrée de la Nation s'est tenu ce dimanche 1er octobre 2023 au Palais du Peuple. Il a réuni plusieurs partis politiques membres de cette plateforme. L'une des grandes résolutions de ce congrès, c'est la désignation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat unique à la présidentielle de décembre 2023. Le choix de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême se justifie par le fait qu'il a changé le paysage politique dans notre pays par sa façon de diriger. Le député national Norbert Ezadri et le sénateur Jean-Pierre Batumoko donnent leurs impressions.
ce premier congrès de l'Union sacrée qui va le consacrer comme président de la candidat président de la République était tant attendu par tous les citoyens congolais. Pour la première fois, le recensement des Congolais à l'étranger a eu lieu sous Félix Tshisekedi de Tshilombo. Aussi, nous nous mettons dans le jeu. Et aujourd'hui, nous sommes presque à la finale parce que les gens, les partis politiques en ont parlé, les regroupements ont parlé. Maintenant, c'est la grande famille qui s'est réunie ensemble pour mettre le point sur les i. Restons toujours au Palais du Peuple où certains acteurs politiques présents à ces congrès ont aussi salué la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais une fois de plus, de nous retrouver du bon côté de l'histoire, dans cette salle, au premier congrès de l'Union sacrée de la Nation, pour nous prononcer vis-à-vis de la candidature de notre candidat aux élections présidentielles, élections présidentielles. Comme vous le savez, nous n'avons pas des candidats, nous n'avons qu'un seul. Notre candidat de l'Union sacrée de la Nation, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous sommes venus à valider la candidature à l'élection présidentielle. Nous désignons ce jour président Félix Tshisekedi Tshilombo, notre candidat à l'élection présidentielle. Nous demandons à notre regroupement et à nos membres de le soutenir. Moi, je demanderai à tous les électeurs du Congo central d'élire de manière massive et historique le candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Les élections auront bel et bien lieu et que notre candidat venait d'être investi, c'est le candidat président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en même temps le candidat des progressistes, le progressiste qui est notre regroupement. L'Union sacrée pour la nation congolaise a, dans sa majorité, reconnu, accepté de reconduire par nos voix des urnes le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de la population congolaise dans toute son immensité. L'UDPS section Mamayemo a porté son soutien à l'un des cadres de ses partis politiques, Socrate Moubengaï. Ces derniers se proposent de porter la voix de la municipalité de Mungafula à la députation provinciale. Cédric Yenina pour d'autres détails. La base de la cellule UDPS Mamayemo 1 se mobilise pour le scrutin de décembre 2023 par la voix de son président cellulaire, Jean-Zomi Lambo. Cette cellule affiche déjà ses couleurs et a choisi comme porte-voix Socrate Moubengaï, cadre de l'UDPS à la députation provinciale. S'inscrivant dans le cadre de la tournée dans les différentes cellules de l'UDPS Mungafula, la délégation représentant ces cadres a été conduite par Maître Jackson Kabamba. Vous savez, à l'UDPS, le principe c'est la pyramide renversée. Il faut s'assurer que vous avez l'accompagnement de la base pour gagner la bataille électorale. Les impressions ici sont très bonnes. On a été chaleureusement accueillis, bien que notre leader n'a pas été présent, il a été retenu par une mission de service. Nous avons reçu la bénédiction de la base pour les élections du 20 décembre prochain. Matadi Mayo, cellule antenne et d'autres de l'UDPS Mungafula ont reçu la visite de ces cadres de l'UDPS qui projettent d'autres rencontres dans la même commune. Les membres de la Coordination nationale de services des quarantaines animales et végétales travaillent dans des conditions déplorables. Hier, ils ont rencontré le ministre de tutelle, le ministre de la Recherche scientifique, pour présenter leur situation. Marie Calong pour plus de précisions. La Coordination des services de quarantaine végétale, structure d'assiette sous tutelle du ministère de l'Agriculture, travaille dans des conditions déplorables. Les responsables de cette structure ont présenté cette situation au ministre Mpanda au cours d'une réunion tenue récemment en son cabinet de travail. Hier, au cours d'une réunion que nous avons tenue au cabinet, nous avons manifesté notre désir que le ministre puisse venir nous voir. Et il a directement accepté qu'il vienne nous voir, c'est comme ça qu'il est venu ici. Les recettes que nous produisons, c'est au niveau des provinces. Or, au niveau des provinces, nous y allons pratiquement pas, par manque de moyens. Et le ministre voudrait que nous allons sur le terrain, voir nos services,
et nous espérons que le service va vraiment remonter la pente. Soucieux du bien-être de son personnel, le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabango, a effectué une visite d'inspection sur le lieu. José Mpanda, à séance tenante, instruit une mission de vérification des recettes en province. Les recettes qu'ils renvoient au niveau de la coordination ne sont pas suffisantes par rapport aux informations que nous avons sur le terrain. Donc une mission doit aller sur le terrain maintenant, hein, avec la coordination, pour vérifier et voir si les recettes sont au niveau de ce qu'on dit. En pleine campagne agricole, le ministre Mpanda s'évertue également à la viabilisation des structures sous sa tutelle, dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Ces membres de la Coordination nationale de services des quarantaines animales et végétales ont plutôt échangé avec le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, et non le ministre de la Recherche scientifique, comme annoncé tantôt. Allez, j'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Le PAM alerte. Plus de 25 millions de personnes, soit un quart de la population de la RDC, en proie à une insécurité alimentaire aiguë. Chiffre communiqué par le cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire lors de son dernier rapport annuel. Ce rapport indique également que les hostilités dans l'est de la RDC sont la principale cause de cette famine. Comme nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou dans ses commentaires. Ça fait plusieurs années que le chiffre est régulièrement mis en avant. Plus de 25 millions de personnes restent encore confrontées à l'insécurité alimentaire en RDC. Les raisons sont évoquées dans ce rapport présenté par des experts au cours d'un atelier des différentes parties prenantes. Les conflits armés dans l'est du pays, mais également le manque d'investissement dans le développement rural constituent des principaux facteurs qui empêchent la RDC d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La situation interpelle. L'État congolais a lancé le plan de relance du secteur agricole avec plusieurs composantes. Et si on arrive à aboutir, à réaliser convenablement le plan de relance, on aura résolu déjà quelque chose par rapport à la sécurité alimentaire et nutritive. Pour briser le cycle et infléchir ces tendances, il faut aider les familles rurales à accroître leur résilience et leur productivité. Le gouvernement congolais pourrait se rassurer de l'appui de la FAO et du PAM. Nous, en tant que PAM, nous sommes là pour accompagner le gouvernement. Le but, c'est d'accompagner le gouvernement dans les priorités. Et nous allons tout faire pour accélérer cet accompagnement. Mais ces partenaires traditionnels sont aujourd'hui confrontés à un déficit de financement qui pourrait compromettre leur contribution aux communautés touchées par la crise. Les étudiants de la faculté de l'agronomie de l'université de Kinshasa étaient le samedi passé en face de l'initiateur du projet « Un étudiant, un hectare ». Ensemble, ils ont réfléchi sur comment mettre en œuvre ces projets créateurs d'emplois des jeunes. Alain Bikaï était sur place. Les projets « Un étudiant, un hectare » prend de plus en plus les corps. Après l'acquisition de 100 000 hectares à Songololo dans le Congo central, l'initiateur de ce projet créateur d'emplois des jeunes et revenir aux concernés. Cette fois-ci, c'est à la faculté de l'agronomie de l'université de Kinshasa que Patrick Onoya a échangé avec les étudiants sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces grands projets. Pour ces lobbies, ces stratégies en investissement, les étudiants de cette faculté ont un rôle majeur à jouer dans la phase pilote de ces projets qui visent la souveraineté alimentaire de notre pays. Il était question actuellement de pouvoir s'armer des techniciens, donc des agronomes, qui pourront accompagner le projet dans sa phase pilote. Dans sa phase pilote, à Songololo, nous voulons cultiver 1000 hectares de manioc pour entrer dans la dynamique du ministère de l'Industrie. Actuellement, la possibilité de pouvoir utiliser la farine de manioc panifiable pour la production de pain. C'est aussi l'occasion pour lui de lancer le site web de ses projets où l'on peut trouver toutes les informations. Dans le site web unhectarepouranétudiant.com, que le coût d'un hectare est de $200, souscription d'abord et libération en quatre tranches. C'est ce partenariat technique entre la faculté des sciences économiques et d'agronomie qui va permettre d'affiner les études et qui nous permettront de sortir des chiffres très bientôt. Pour beaucoup d'observateurs, ce projet est un véritable incubateur de l'entrepreneuriat des jeunes.
Un nouveau coup de pouce à l'opération Kinbo-Peto. La commune de Limété vient de réceptionner un lot important de matériel d'assainissement pour rendre cette commune propre. Une œuvre d'un élu de ce coin qui vient aussi de sortir le chéquier pour soutenir l'entrepreneuriat de jeunes dans ce coin. Il a remis une enveloppe à ces jeunes pour amorcer des petits commerces. Peggy Mukunda pour le reportage. S'assurer une autonomie financière avec un environnement salubre que le jeune de Limété Mumbele se mobilise dans la recherche de financement en vue de réaliser des activités socio-économiques de base au grand bonheur de tous. L'un d'entre eux, Yves Bapa, natif de Limété, du district de Mohamba, a posé un geste philanthropique avec une enveloppe consistante pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et autres matériels pour l'assainissement de leur milieu. Plusieurs quartiers et cellules de cette municipalité, notamment Louza, Kikwit, Femme Sage, Bolingo Nzete Yambila, en sont bénéficiaires. Cette action du président Yves Bapa rentre dans l'autoprise en charge prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Reste vigilant en luttant contre les antivaleurs et l'exhortation de leur hôte à l'endroit de la jeunesse. Gestion et partage d'informations liées à la situation difficile des enfants en RDC. Une nouvelle application vient d'être mise en place. Comment fonctionne-t-elle? Le sujet était longuement débattu au cours d'un atelier de 3 jours organisé dans la capitale Kinshasa. C'est un reportage de Joël Makila rendu par Diane Balaka Mbombo. 3 jours de formation sur la collecte, la gestion et les partages d'informations en rapport avec les enfants en situation difficile en RDC. Les chefs des bureaux provinciaux qui s'occupent de la protection des enfants sont à présent outillés sur la gestion d'une nouvelle application qui va leur permettre de collecter et de mettre à jour les données pour ensuite le partager avec le bureau national. Vous avez acquis des connaissances qui vont vous permettre désormais d'améliorer notre système de collecte, de gestion et de partage d'informations sur les enfants en situation difficile. Nous sommes ravis parce que les bispés que nous avons reçus aujourd'hui, en tout cas, font la différence. Nous allons compter sur vous pour que la protection de l'enfant de demain soit la motivation pour vous. Le modèle d'analyse et d'interprétation des informations réelles sur la question de la protection de l'enfant va être appliqué, affirmation de l'un des participants. Le bureau des interventions sociales pour la protection de l'enfant est assuré qu'après toutes les techniques acquises, le BISPE de chaque province sera capable de faire un bon travail pour collecter des données de qualité. Chaque chef de bureau a pu recevoir un brevet affirmant qu'il est à présent capable d'être à jour et en temps réel sur les données de la gestion quotidienne de centres de gestion et de partage d'informations des enfants en situation difficile. La Croix-Rouge veut construire un hôpital humanitaire à Kinshasa. Son président provincial a présenté tour à tour ses projets au bourgmestre de la commune de Gombe, Kintambou Ngiringiri Bandalungwa, à qui il a également sollicité un soutien financier. Regardons. Visité par le président provincial de la Croix-Rouge, Kinshasa, ont loué l'apport des volontaires sécuristes dans leurs municipalités respectives. La Croix-Rouge rend un énorme service à la commune, surtout quand nous avons des indigents qui meurent dans la commune. Grâce à la Croix-Rouge, nous arrivons à évacuer ces corps. Nous avons été édifiés et maintenant nous allons collaborer avec certaines lignes de communes qui fassent que la Croix-Rouge soit incorporée dans notre commune. La commune de Kitambo se disponibilise aujourd'hui pour la Croix-Rouge et nous avons également demandé le soutien de cette structure de nous venir en appui afin d'assainir notre commune de Kitambo. Parce que la Croix-Rouge, en son sein, a une structure de formation des assainisseurs que nous, la commune, nous n'avons pas. Je m'engage à les soutenir pour les différents travaux qu'ils sont en train de nous apporter. Surtout avec les indigents, la salubrité et autres. La collaboration est à 100%, je peux dire. À tout moment qu'on a besoin des secours, nous en avons toujours à l'air et à temps. S'il y a des catastrophes ici, ils viennent souvent
pour nous secourir. À tout moment, même ce matin, il y avait un corps au niveau du port Moulé, c'est les secouristes qui sont venus me soutenir pour enlever ce corps, pour aller enterrer. C'est un pari gagné pour la Croix-Rouge, affirme son président provincial de Kinshasa. Nous sommes en train de récolter des six. Souvent, nous amenons des indigents à l'hôpital. Vous les voyez mourir devant vous, sans prise en charge, parce qu'il est indigent. La raison pour laquelle nous avons un projet aujourd'hui, c'est la construction d'un hôpital humanitaire. Nous avons commencé avec ce que les volontaires qui ne sont pas payés, mais qui ont cotisé quand même quelque chose, nous tendons toujours la main à toute personne de bonne foi de venir aider la Croix-Rouge à aider. La volonté manifestée par les deux parties est d'entretenir une franche et étroite collaboration. Dernier virage de ce journal, la quatrième édition de la Semaine internationale des sourds vient de baisser officiellement ses rideaux à Kinshasa. Ces assises qui avaient pour thème « Les sourds peuvent s'exprimer partout » ont été marquées par la remise de brevets aux nouveaux interprètes et formateurs. Les participants ont aussi plaidé pour la promotion de la langue des signes, comme nous disent Betty Amani Kunda et Diane Balakambombo. Cette semaine internationale des sourds se célèbre chaque quatrième semaine du mois de septembre de l'année, soit du 22 au 30 septembre. Cette année, l'accent a été mis sur un monde où les sourds peuvent s'exprimer partout. Parmi les thématiques abordées au cours de cette célébration, l'évolution de la langue des signes en RDC, les défis à surmonter mais également les efforts du gouvernement dans la promotion de langue des signes congolaise, ce pour atteindre l'inclusion sociale des sourds. J'ai formé aussi des gens qui sont devenus des interprètes et des formateurs. Qu'on venait de voir, ils ont reçu leur brevet. Et nous formons aussi le sourd pour devenir des formateurs pour enseigner d'autres sourds et d'autres entendants. Je suis professeur en langue des signes dans des différentes places et dans des différentes associations et pour les prodiguer des conseils. Faisandine Pierre Decou, les formateurs sourds de la communauté des sourds du Congo ont remis des brevets aux nouveaux interprètes et formateurs sourds de la 4e promotion. Les bénéficiaires de ces enseignements se sont exprimés. Nous voulons vraiment encourager les sourds dans cette excellence parce qu'on se rend compte qu'au fur des années, les sourds sont en train de progresser au sein de notre République, former des entendants qui peuvent devenir des interprètes. La cérémonie a été aussi ponctuée par des témoignages et expositions de livres de langue des signes congolaises. La langue des signes peut être utilisée partout au niveau de l'école, de l'église, de la société, de la commune, avec la police, à l'hôpital et en famille. Bref, dans toutes les institutions pour briser les barrières communicationnelles qui ont toujours bloqué l'épanouissement de cette couche sociale de la population. Fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Attacha Machini, Bijou Katarissi, André Djeka. La partie technique a été assurée par Grand Médard Moubenga, Henri Alimassi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez dans moins de 30 minutes, donc à 20h, Anita Luambo-Tchala. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.